Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 27 juillet, nous fêtons Saint Pantaléon. Pantaléon naquit à Nicomédie d'un païen obstiné nommé Eustorge et d'une pieuse chrétienne qui s'appelait Eubule. Sa mère mourut quand il était en bas âge et il fut engagé par son père dans l'idolâtrie. Après avoir étudié les humanités et la philosophie, il s'adonna à la médecine. Il devint si célèbre que le César Galère l'attacha à son service. Un saint prêtre, Hermolaus, réussit à réveiller chez Pantaléon les étincelles de la foi chrétienne que sa mère avait déposées dans son cœur. Un miracle acheva sa conversion. Comme il se promenait dans la campagne, il rencontra un enfant mort de la morsure d'une vipère. Il eut la hardiesse de dire « Mort, lève-toi, au nom de Jésus-Christ ». Au même instant, l'enfant ressuscita. Pantaléon courut sur le champ vers Hermolaus pour lui raconter ce prodige et lui demander le baptême. Bientôt, il persuada son père de se faire chrétien, en guérissant devant lui un aveugle né. Le médecin devenu apôtre affranchit ses esclaves, consacra son art et sa fortune au soulagement des malheureux, prêcha l'évangile et fit de nombreuses conversions. Il guérit par ses prières, devant Galère, un paralytique depuis longtemps perclus de tous ses membres. Le César, un des plus violents persécuteurs, ordonna de torturer son médecin de la façon la plus cruelle. On lui déchira la peau avec des ongles de fer. On le brûla avec des torches ardentes. Ensuite, il fut jeté dans une chaudière de plomb fondu. Après plusieurs autres tourments, il fut frappé du glaive, ainsi que le saint prêtre Hermolaus, le 27 juillet 303. Les reliques de saint Pantaléon furent apportées en France du temps de Charlemagne. Les médecins l'honorent comme leur principal patron, après Saint-Luc.